Il s'agit maintenant de savoir ce qui va se passer ensuite. À vos écrans, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Et donc maintenant, la partie religieuse. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господе.
управляй всяческое, призри ныне на усердное моление наше и благослови благое намерение президента страны нашей Владимира Владимировича, полагающего начало правления, хранимую тобою страною нашу российскую. Умудри и настави его беспрекновенно проходить и великое сие служение. Подашь ему разумение и премудрость. Воеже в тишине и без печали люди российские сохранять, подчиненные же ему управлять на путь истины и правды, и от лицеприятия им стоимство отражать. Умножить и жизнь его в нерушимом здравии и благополучии. Подашь ему и всем нам во все дни правления его тихое и безмолвное житие и всяковременные вечные кончине потребное. Да так в мире, поживше, восславим Тебя, нашего всещедрого Владыку и Благодетеля, и в радости и благодарении сердец наших воспоем. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков! Excellence, Monsieur le Président Владимир Владимирович, au moment d'occuper le poste suprême de président de la Russie, nous voulons prier pour vous et implorer la pitié de Dieu lorsque le président exprime sa foi
Et nous, quand nous voyons à la tête de l'État un homme d'État de votre carrure, qui est cordial, attentionné, délicat, et en même temps fort, et nous voyons la conjonction de toutes ces qualités dans la même personne. Évidemment, il y a des points faibles, des faiblesses qui empêchent les gens de réfléchir. Il y a des craintes, mais l'État doit parfois prendre des décisions qui sont décisives, qui sont fatales. Et s'il n'y a pas cette qualité de prise de décision, à ce moment-là, l'État est en danger. Et ces prises de décision sont toujours importantes et nous n'avons jamais vu la prise de telles décisions pour le bien dans le pays sans le soutien de la population. Et Dieu apporte sa grâce, son aide pour aider le souverain à défendre son pays, son peuple, comme on l'a vu avec le prince Alexandre Nevski. Et cet homme n'a pas épargné ses ennemis, mais il a été proclamé saint parce qu'il a défendu la patrie de l'ennemi et il a cherché à assurer la grandeur de l'État. Être président, c'est-à-dire être au service du pays, du peuple, c'est une grande responsabilité et vous devez être un exemple pour la jeunesse, pour les travailleurs, pour les intellectuels et pour l'ensemble du peuple. Et vous êtes un excellent exemple. Que Dieu vous aide à assurer cette responsabilité que Dieu a placée sur vos épaules. Continuez avec audace, parce que sans audace, parfois, on n'arrive pas à mener sa mission et que Dieu vous aide à remplir tout cela, le faire dans la vie et qu'il vous donne cette audace, cette force qui doivent s'accompagner de l'esprit de service de l'État, ce dont dépend tout l'avenir du pays. Avec cette audace, je vous souhaite aussi en particulier la paix du cœur. Et c'est important parce que si vous ne faites que lutter 24 heures sur 24, non seulement votre organisme peut affaiblir, mais votre âme peut faiblir aussi. Et donc c'est pour ça qu'il est important que, en tant qu'orthodoxe, vous ayez, quand vous êtes au pouvoir, vous ayez la paix du cœur. Il faut que vous gardiez un moment pour la méditation. C'est important pour vos obligations professionnelles. Et je sais que vous trouvez du temps pour cela. Et tout cela pris ensemble vous permettra d'avoir la force et physique et spirituelle. Et j'invoque la bénédiction sur vous. Et ce qui est important, c'est pour que toutes les prières de notre peuple croyant vous aident à chaque jour de votre vie pour assurer fièrement votre service pour la patrie, pour la Russie, dans cette période si difficile de son histoire. Que Dieu vous bénisse. Et que cette bénédiction vous accompagne à chaque instant de votre vie. Et par audace, j'ai l'audace de souhaiter que la fin du monde ne survienne pas bientôt et que vous puissiez accomplir votre service dignement. Voilà, je vous
remet cette icône. Je vous remercie. Je suis au service de la Russie. Et donc nous voyons à la cathédrale Annonciation le patriarche de Moscou, de toute la Russie, a donné sa bénédiction au président Vladimir Poutine au moment de son investiture.